Oui, Marcel a gagné les matchs, a fait 3 buts. Et bien sûr qu'il a resté meilleur que nous. Normalement, quand il gagne et quand il fait plus de buts, c'est meilleur. Je pense que le premier mi-temps, très disputé, très équilibré. Après, avec un avantage d'un zéro de Marcel. Je crois que pour se dire que Marseille, premier mi-temps, restait un peu plus forte que Monaco. Après, deuxième mi-temps, nous entrons meilleurs pour le match, nous fait 2 buts. Et après, nous n'avons pas la capacité d'annuler principalement la fraîcheur qui entrait à Marseille, la qualité du joueur qui entrait. Pour arriver à l'objectif, c'est gagner les matchs. Oui, bien sûr que nous sommes à gagner 2-1, nous avons besoin de faire plus d'attention. Je pense que, bien sûr, pour le futur, l'idée c'est toujours faire meilleur à tous les niveaux, au niveau collectif, au niveau individuel de chacun joueur. Mais en même temps, je pense que les joueurs d'AS Monaco essayaient de donner le meilleur. Moi, j'ai regardé, ils essayaient courir, ils essayaient gagner les duels, ils essayaient presser. J'ai parlé avec les joueurs que, bien sûr, que nous avons manqué un autre moment, mais généralement, l'équipe avait une bonne attitude et c'est seulement avec le travail et avec la progression que nous pouvons arriver à autre niveau. Non, comparé à Monaco, mais si tu parles de Marseille l'année dernière, il fait arriver un milieu que tout le monde connaît, que jouait la demi-finale de Champions League l'année dernière, un joueur avec beaucoup de compétences pour le milieu. Elle a gardé tous les bons joueurs. Marseille, pour moi, c'est plus fort que l'année dernière. Parce que c'est la deuxième année de travail avec la même équipe. Nous, n'est pas bon faire de comparaison parce que toujours, toutes les années, nous changeons d'effectif. Chacun effectif va faire son histoire à Monaco. Le premier effectif que j'ai travaillé fait 3e place et allait quart finale de Champions League. Le deuxième, mauvais Ligue Europe. Et 3e place du championnat. Le 3e effectif, c'est le meilleur champion. Chacun fait son histoire.